Salut à tous, on se retrouve pour le dernier championnat du trophée GT. Donc en off, j'ai réussi à gagner donc le championnat de série mondiale Supercar. Bon, pour vous faire le résumé, j'ai gagné toutes les courses sauf la dernière, où j'ai terminé 3ème à cause d'une grosse erreur. Mais j'en suis vraiment pas mal sorti, hein, vraiment. Pratiquement pas eu de problème. Donc on va faire celui-là. J'ai dû revendre la Corvette parce que j'étais en dessous des 500 000 et 500 000 c'est le prix. Enfin, c'est l'argent qu'il nous faut pour pouvoir acheter une des deux voitures. Et donc là je vais avoir le choix donc du coup d'acheter soit une McLaren F1 GTR, voilà, soit une McLaren F1 GTR. Donc j'ai pas trop le choix, vous avez compris. Alors on pourrait mettre en couleur orange façon McLaren de l'époque, effectivement. On a le rouge, on a le bleu, on a le gris, on a l'orange. Mais moi j'aime bien les trucs noirs, donc je vais acheter ça là. Allez, c'est parti. Ça fait mal au cul, hein. Vraiment, ça fait super mal au cul de perdre 500 000 comme ça. Mais bon, voilà, on a la voiture, on a la sono. On va faire des parts. Je crois pas qu'on puisse l'améliorer. Enfin, j'ai pas vu partie pour l'amélioration. Donc on va faire 3 circuits que je ne connais. Alors Race Break 2, 0, je sais pas combien. Je sais pas du tout ce que ça va donner, hein. Je connais pas le circuit. Donc ça va être une petite purge. C'est pas dit qu'il n'y ait pas deux vidéos justement avec la revanche sur ce championnat. Parce que je sais pas du tout ce que ça va donner. Vraiment, j'en ai aucune idée. Agostini, ok. On est 6ème sur 6, ok, je crois que tout va bien. Et bah donc voici la voiture. McLaren F1 GTR, oh la vache, elle tourne beaucoup d'air. Ouf, ouf, ouf. Allez, c'est pas grave, on va s'entraîner un petit peu. Allez, le temps d'apprendre, ça va être compliqué de la prendre en main, mais bon. On va quand même tenter. Oh le saut, oh la vache. Alors il y a 4 tours. 4 tours. Désolé mon gars, je t'envoie dans les pâquerettes. Excusez-moi, je découvre le véhicule, je ne sais absolument pas le piloter, donc si je fais des morts, c'est pas grave. Alors moi, j'ai envie de dire. Il va y avoir un gros virage après. Ouais, c'est ici, qu'il y a un gros virage. On va essayer d'avoir l'accélération, ça c'est bon. Nickel. Après, il y a encore un autre virage. Il sera à droite. J'essaie de calculer un peu près comment va se passer le circuit. Oh là là, oh putain. Ah ça, c'était inévitable. Enfin, en plus, je suis parti dernier, c'est magnifique. Ok, donc il faudra vraiment faire gaffe à cet enchaînement avec les boss. Bon, en vrai, la voiture est ultra maniable. C'est juste que bah, quand elle va sur les boss, oui, bah, logique. Elle a un petit peu du mal. Vous voyez ici. Et boum, encore un coup sur l'avant. Je vous laisse même pas imaginer les prix de la réparation. C'est dommage, j'étais remonté en 4ème position. Ça aura pas duré longtemps. J'essaye de anticiper, mais c'est pas évident, hein. Vraiment, anticiper à cette vitesse, c'est waouh. En fait, il faut vraiment pas sortir du circuit parce que la voiture devient incontrôlable après. Alors je pense que les coûts de réparation vont être monstrueux. Donc terminer 5ème, là c'est sûr on perd de l'argent direct. Hein. Alors le 6ème, j'ai perdu du temps. Bon, une fois que j'aurais bien appris, compris la voiture et les circuits surtout, je pense que ça ira mieux. On n'en est pas encore à ce stade là, hein, vraiment. Ok. Petit saut.
Joli bruit quand même, hein. McLaren F1. C'est votre meilleur coup. Vous vous placez à la 5ème place. Tour numéro 3. Pour la première, je vous avoue, j'aimerais bien. J'aimerais bien terminer genre 4ème ou 3ème. C'est pas mal. Ah, j'aurais pu la prendre en grise, hein, comme les. Comme le. Ah, mais c'est une. Ah oui, c'est une Mercedes CLK GTR en fait, je suis bête, j'ai une McLaren F1 moi. J'ai pas une. J'ai pas une. J'ai pas une. Une Mercedes. Puis tout à l'heure, je me trompe, mais. Ouais, ça passe. Est-ce qu'on meilleure ce tour-là et le tour d'après? Pour l'instant, ça passe. On arrive dans la ligne droite. Eh, hey, on va être. On a rattrapé les voitures devant nous, c'est le dernier tour. Est-ce que le jeu va tenir la distance en framerate? Je suis pas certain par contre ça. Pour le jump. C'est là où ils ont plus de mal, et c'est là où je vais pouvoir les passer. Ouais, nickel. J'ai la pression jusqu'au bout. Ah, c'est plutôt amusant. Pas mal. Bien. Oh, les voitures qui se sortent. Ah mon dieu, ça aurait été moi, j'aurais été dégoûté, mais là, bon, comme ça m'avantage un peu. Eh ben deuxième place. Pour un début, c'est pas mal. Bon, je l'ai complètement démoli, hein, la McLaren F1, mais sinon ça va. Avec trois courses, hein, donc faut que je termine au moins deux fois premier. À moins que ce soit pas la même qui gagne à chaque fois, mais. Eh, ça serait pas mal d'y arriver du premier coup. Vous avez fait un super chrono. Alors, le super chrono, il est deuxième. Vaut 3 secondes devant Ashaman. Je pense que si on la refait là, je suis un petit peu mieux. Regardez, réparation 42 000, montant du prix 40 000. Je viens de perdre de l'argent. Alors après, le Raceway 1. Oula, mais alors beaucoup plus étriqué celui-là par contre, je pense qu'on va galérer. Oui, on peut pas améliorer là. On peut pas améliorer la voiture, donc tout le monde est sur le même plan d'égalité. Ça c'est une bonne nouvelle parce que je m'attendais à devoir améliorer la voiture à nouveau et être en retard par rapport à eux. Et ça aurait été vraiment, vraiment compliqué de gagner autant d'argent. Donc du coup, c'est parti. Alors le deuxième, il va être horrible, je pense. Agostini, c'est une vraie marque en plus, il me semble. Bon, mon avantage, c'est que je partirai deuxième. Cette fois-ci, je partirai pas dernier. Qui dit deuxième dit avoir moins de problèmes de trafic, mais bon, ça veut rien dire, hein, l'impression. Oh là 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 là. Bon, il y a du gravier sur les côtés, il va falloir faire gaffe. Bon, le premier nous a mis un vent, un truc de fou. Regardez où il est, premier sur la carte. C'est une blague ou on en parle? Oh là 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 là, je pourrais pas passer, c'est pas possible.
passer là. Pour savoir où on en est, c'est quand même pas évident. Il y a un gros virage là, après il va y avoir un énorme virage à droite. Intégrer si vite des circuits à cette vitesse, c'est quand même pas évident. Tu viens de me redoubler comme une brute. Oh là 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 là, mais je suis censé faire quoi, les gens? Ouhouhou. Ah, ok. Ok. Bon, bah là, là c'est mort. Bon, par dernier. Je pensais que je pouvais le prendre à fond ce virage, en fait, pas du tout. Bon, le premier, il a l'air d'avoir perdu un peu de temps par contre. Putain. Oh la vache, au secours! Non mais. Allez, c'est parti. Ah, ça a été une purge, hein, ce premier tour. Là, j'aurais fait n'importe quoi. Regardez le retard que j'ai quasiment un tiers de circuit de retard sur le leader. Le temps d'intégrer là, ça va être compliqué. Parce qu'après on va encore prendre notre circuit. On va prendre une troisième variante. C'est un petit peu le problème des grosses voitures de fin de... Enfin, des voitures très rapides du fin de jeu, c'est qu'en fait quand on est à 2 à l'heure, les voitures sont hyper, hyper instables, leur accélération. Elles perdent tout leur grip aéro. De toute façon, je m'en serais douté que ça allait être compliqué, hein. Il fallait pas... de Saint-Cyr. Donc là, bon, si on galère, on galère. Si on galérait pas, à la limite, ça aurait été dommage parce que de cette manière, c'est à dire que le jeu est trop facile. Putain, je vais réussir. Ouais, et les enchaînements, ils sont vraiment compliqués. Là, par exemple, waouh, pour y aller. En plus, ces genres de voitures, faut pas aller sur les vibreurs. Du coup, combien d'a partout? Comme il y en a partout, et bah voilà, on fait que glisser partout. Deuxième tour, troisième tour. Classé à la dernière place, tour numéro 3. Je crois que l'avant-dernier et moi, on est vraiment à l'autre bout du monde. Hein. J'ai eu un petit moment d'espoir après la première course. Et bon, là c'est vite redescendu. Vu la galère. Putain, c'est pas possible. Vu la galère actuelle avec ce tour-là. Bon, après, oui, si je recommence, je m'en sortirai quand même mieux. Mais quand même, hein, c'est. Parce que s'en sortir mieux, c'est bien, mais il faut quand même avoir du rythme et être assez rapide. Et je pense que niveau vitesse pure, je suis pas non plus super bon. C'est vraiment le dernier secteur qui est compliqué, on peut la fond. Ah, c'est ici là, à chaque fois. Voilà, enchaînement, c'est bon. Ah, c'est bien, là j'ai bien pris. L'avantage de ce virage, c'est qu'on le reconnaît, hein. Il y a marqué Keep for Speed, je crois. Et du coup, on sait que ce virage là, il faut prendre telle trajectoire, il est reconnaissable par rapport aux autres. Avantage. Bon, les derniers, mais là je pense un peu à me stabiliser, c'est bien. Je commence à avoir du rythme, faire moins d'erreurs. Parce que sûr, c'est de l'argent, on va en perdre. Alors là, ça c'est clair.
Imagine le coût des réparations. Le coût des réparations est égal au prix d'une victoire de la deuxième championnat. Et voilà, je vais avoir toute queue. Même pas, c'est le prix de réparation est égal à deux victoires. Dernier championnat. Ah, j'ai pas le niveau. Par contre, on remarque que le premier, là, qui était parti en tronc, maintenant il est troisième. Donc ça veut dire que ça aurait pu être faisable en rythme de course sur les réguliers de finir devant. Et là, le problème, c'est que je vais partir dernier, quoi. Donc, il dit partir dernier. Il dit que la course prochaine va être compliquée. Oh là là, le dépassement! Et malheureusement, il va nous pousser à l'extérieur. Et du coup, on n'a pas eu toute notre vitesse. Je pense pas que je vais pouvoir le dépasser. Oh, quoique. Dans les derniers, virages, oui. Eh ben. Alors là, je vous annonce que les réparations vont être catastrophiques. Je pense que je perds 10-20 000 cash. Bon, au niveau du classement, on est très très mauvais. Hein. Même si j'ai gagné la course, je pense que ça serait mort. Enfin, ça dépendra. Félicitations. De la deuxième, troisième, vous avez établi les nouveaux records du tour et de la course. Ouais, enfin, les records du tour. Ah, et non, c'est que les derniers tours que j'ai fait étaient pas mal. Ouais, je suis troisième. Ah, ça reste faisable. Ça reste possible. Mais regardez, pourtant du 25 000, réparation 29 000. Je perds de l'argent, c'est incroyable. Allez, la dernière sur Raceway 3. On va tenter notre chance sur le dernier circuit. Mais à mon avis, on est parti pour refaire une vidéo. Bon, lui, il y a moyen que ce soit plus facile. Oula, je croyais que c'était, c'était le début de la course en... C'était pas un départ arrêté, mais en fait si. Mais Zébardi, tout le monde est là. Ah oui, mais c'est vrai que je suis parti troisième, parce que bah oui, au championnat, je suis encore troisième. Oh mon dieu! Regardez qu'on est à 2 à l'heure, la voiture, elle a aucun rythme. Vraiment, regardez, je suis dernier. Ça aura duré 3 virages. En tout cas, les circuits sont marrants. Ils sont quand même plutôt fun. Oula, regardez, je suis dans le vert, j'allais dire votre 2. En fait, j'ai même pas le temps de regarder le tracé en fait pour savoir où il faut aller, ça va tellement vite. C'est par là. On a un gros freinage, ouais. Je le sens. C'est vrai que l'avantage d'avoir une voiture devant nous, c'est qu'on sait à peu près quand il faut freiner. Quand il faut freiner, évidemment. Et la partie lente, je me suis bien loupé tout à l'heure.
Le problème c'est que voilà, à chaque fois on est au milieu. À la quatrième place. Là c'est tout droit, hein. Je peux me faire voir deux fois. Voilà, nickel. Oh! Oh là là là, comment j'ai fait pour pas mourir quoi? J'ai pris de l'angle à chaque fois. Ah, pas mal, beau passage. Ah, je dis beau passage, mais il n'y arrivait plus de comment encore derrière, mais. Bon, le coup de frein marche bien, ça permet de bien entrer la voiture dans le virage. Jusqu'à une certaine limite, bien sûr, mais. Là, ça passe aussi. Là, je suis un peu à l'extérieur, mais ça va. Des fois, elle a assez de grippe, en fait, même dans l'herbe. Elle s'en sort plutôt bien. J'ai rien pour la troisième place. Quand même sympa. Pour réussir à ce niveau. J'ai vraiment du mal à anticiper un peu tout. Je vais rester un peu sur l'extérieur. Et rester sur l'intérieur ici. La musique, on l'a pas eu avant celle-là, elle me parle pas. Elle est un petit peu différente la musique au milieu à la fin. Bon, par contre, les autres sont vraiment, vraiment supérieurs. Hein. Désolé, mais en même temps j'ai pas trop le choix. Enfin, j'ai pas trop le choix. Je voulais pas spécialement le sortir en fait, je m'en fous, c'est juste que je voulais reprendre ma ligne. Allez, il reste plus que. Il reste plus qu'un tour. J'ai démoli ma caisse. Non, vraiment. Ça permettrait d'avoir le bronze, je pense, en restant troisième. Putain! Putain, encore, encore, encore et encore. Et voilà. Comment on perd tout en l'espace de deux virages. Pas perdu, hein. Je peux encore encore le rattraper. Ah ouais, c'est bon, je m'en sors plus vite. On va pouvoir passer devant. Olé. Bon, du coup. Il a essayé de me doubler, il s'est loupé. Ouais, il s'est loupé. Il s'est loupé. Bon, ça va, j'ai repris mon dû.
Les autres sont sur Mars. Hein. Le premier. Bon, on va terminer troisième. Écoutez, c'est pas trop mal hein, pour une tentative. Beaucoup d'erreurs, évidemment, mais ça, je m'attendais. Et ce qui est bien, c'est que les fins GTA finissent trois premières aux premières places. C'est-à-dire que la CLK a l'air un petit peu en retrait. Voilà, CLK plutôt. Félicitations, vous avez fait un super chrono. Vous avez essayé 50, il fait une 41 quoi. Bon, on termine troisième, du coup ça me fait. Je perds encore d'argent d'ailleurs au passage. Bon, je gagne un bonus de 200 000. Vous avez gagné même en terminant troisième. C'est plus que le bonus de pour avoir gagné le championnat d'avant. Quand même sympa. Piste au circuit. Circuit fermé. D'accord, c'est bien. Bon, déjà on a débloqué les courses fermées, ça c'est cool. On va sauvegarder. Alors je sais pas si je vous montre une reprise championnat ou si je vous montre du critérium pour la prochaine vidéo. Si on s'arrête là, concrètement. J'aimerais quand même montrer la fin du jeu, donc ça serait quand même cool de pouvoir aller un peu plus loin. Ou alors vous montrer le mode poursuite, je sais pas ce qu'on pourrait faire plus tard. Jour dans les options, parce qu'on a encore le mode poursuite. En solo. Et je crois que le solo, ouais voilà, c'est juste des niveaux, il n'y a rien à faire extraordinaire. Par contre le critérium... Donc là en fait ce qu'il faut... entrée libre, donc là on fait ce qu'on veut en fait. Série de l'open du crépuscule. Un nocturne, requise précision et réflexe, tour international sur roue. Donc il reste quand même quelques trucs à faire, donc on va le faire, hein. On va voir un peu ce que ça donne. Je sais pas si on le fera forcément là, la prochaine vidéo, ou si on retente notre la revanche. Je pense qu'on fera du critérium dans tous les cas pour la suite de la série. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve pour la suite. Ciao tout le monde. Bye.